Je fais donc un certain nombre de visites sur les sites industriels des laboratoires avec lesquels nous avons contractualisé. Donc aujourd'hui, c'est le site de Pours, donc pour la société Pfizer BioNTech. Donc je vais voir comment les choses se passent. Je vais m'assurer avec l'équipe de direction que le yield, c'est-à-dire la capacité de production, est bien conforme à ce que nous attendons, puisque nous attendons un certain nombre de doses maintenant, toutes les semaines. Donc on vérifie ça de façon très précise. Et puis m'assurer aussi de la façon dont les approvisionnements se déroulent, parce qu'on a beaucoup d'usines maintenant qui travaillent pour augmenter la capacité de production sur le continent européen. Et évidemment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de rupture. Pour faire un vaccin, il faut 400 à 500 composants. Donc on va discuter de tout ça. Voilà, merci. Eat or drink something. Oh, I'm fine, thank you. You have to take it yourself, I can't offer it for hygiene reasons. No, that's right. Growing, of course. We are growing under for many years. Friday, Switzerland. Ronda. Ronda. Recognition for all the hard work that has been done over the last 10, 11, 12 months. Thank you for my deputy chief of staff. Working a little bit more than 15 years for Pfizer and program leads are responsible for the whole capital project. Labeled and then are packed in kind of, we call it, pizza boxes. And these pizza boxes have 108. The freezer, that's minus 75 degrees. And we store to the shipping lines. Okay. We have four shipping lines. Yeah. And on these shipping lines, we will bring the pizza boxes in a kind of... So then, some people working on the site, working 7 days a week, 24 hours per day, just to make sure that the vaccines will be ready on time. Absolutely. Container that contains the pizza boxes with the product. That's how it comes from the boat. That's the product. That's the product. Could I take one? It's 5 together, you see, it's trapped at 5 together, 195 in box. Yes. Okay. And a connection with the network to guarantee the temperature on every single second. Un enjeu technique extrêmement important parce que la manutention, pendant la manutention, il faut que la température reste évidemment à moins 75 degrés en permanence pour qu'il n'y ait absolument aucun problème sur évidemment la sécurité du vaccin. Au début, il fallait 100 jours et maintenant on réduit un petit peu. Là, il y aurait juste 6 days. Plus que 6 days. Yes. Because now you take some samples, you test the samples, take yes. 3 weeks yep. to get the qualifications, no problem. Ça veut dire que là, ils sont maintenant stockés pendant 3 semaines parce qu'en fait, dans chacune de ces boîtes, il y a quelques échantillons qui sont prélevés, qui vont ensuite être envoyés dans les lieux de test. Il faut 3 semaines pour tester. Et lorsque on est sûr qu'il y a zéro défaut, à ce moment-là, les doses de vaccins sont prêtes à être envoyées ensuite partout en Europe. First, I will show you a soft box, an ice container. Alors, là, ce qui est important, c'est que you put ice in it. Yes. So, we will see on first, we'll start to put dry ice on the bottom of the softbox. Then, this is a kind of divider. By this divider, we are sure that the pizza boxes with the product are in the center of the softbox. On met de la glace sèche. Tu vas maintenir la température à moins de 75 degrés.
Ça permet de garder pendant une dizaine de jours, donc il faut appuyer aussi. And in this cool container again, we use the dry ice to keep the temperature low in this container. So now we will take the container out. So now we will take the five together. And transport it in an ergonomic way. Chaque caisse là, ça permet de vacciner 6000 personnes. Donc, c'est la commission, c'est l'Europe qui a organisé tout ça. Donc, on va bien l'indiquer. Me la cierro también.